petite vidéo parce que je suis allée à Mariano cet après-midi, on va dire, à force de voir des vidéos sur les blushs et Mariano. J'en ai profité que je devais aller à un rendez-vous, donc je suis passée devant. J'ai pris deux petites bricoles, hein, donc ça va pas durer 107 ans la vidéo. Petit sac Mariano. Et j'avais une envie de blush, hein, bien entendu, à force de lire les vidéos qui parlaient des blushs. Alors, je vous sors les deux petits produits que j'ai trouvés. Alors d'abord, il n'y en avait pas beaucoup, hein, de blush. Alors moi, à chaque fois que je vais chez Mariano, je ressors avec du Yves Saint Laurent. Hein. J'ai trouvé le blush Radiance numéro 4. J'ai eu 30% dessus, qui était à 42,90€ quand même. Hein. Ouais, on voit la caméra tellement que ça brille. Je vais sortir mon petit ticket de caisse. Alors celui-là, et j'ai eu 12,87€ de ristourne. Et c'est la teinte 4. Vous n'allez rien voir parce que Yves Saint Laurent, ça a la particularité d'être flashing. Ah, je vais vous montrer. Je n'étais pas très convaincue en le voyant. Puis après, j'ai essayé avec le modèle d'Expo et je trouvais que ça m'avait donné une très jolie mine par rapport à mes yeux verts, vert bleu et ma peau pâle. Je suis assez pâle, donc c'est dans ce petit housse comme ça, vous connaissez tous. Il y a un petit pinceau dont je ne me suis pas servi qui est minuscule. Voilà. Je me sers plutôt mes pinceaux à moi, il est tout petit, et je vais vous montrer la bête. Qui est bien sûr dans du doré comme ça. Vous voyez, on voit la caméra. Voilà, je vais faire comme ça. Et c'est le blush Radiance, fard à jour Radiance Blush. Et j'ai trouvé sur moi qui donnait super bonne mine. L'ouvrir. Voilà. Et voilà, comment se présente la bête. C'est quatre petits carrés, il y en a un qui est satiné. C'est de là, mémoire, et des mats. Mat, celui-là et celui-là. Je ne me suis pas plantée. Voilà. Je vais switcher. On va commencer par le mat. Je fais ça. Très discret. Hein. Voilà, ça c'est le mat. Et un rose un peu irisé. Pas sûr, on verra parce que c'est très discret. Moi je l'ai vu sous la lumière du blanche, c'est très très discret. Ça fait comme si vous prenez un petit phare, vous voyez, quand vous êtes rougissé. Je crois que là on voit que c'est un peu plus rosé, là un peu plus corail. J'en ai déjà mis sur les joues. J'en ai mis là. J'en ai mis là. Je vais pas essayer avec le petit pinceau. J'ai l'occasion d'essayer. Hein. Et je trouve que ça donne. Voilà, j'en avais déjà mis. Hein. Voilà, en plus j'étais en rose, donc ma caméra, je trouve qu'elle n'a pas une très bonne définition, donc je ne sais pas si on verra bien. Voilà. 30%. Bien contente de ma petite trouvaille. Je vais le remettre dans son petit cochon noir. Hop. Les packagings de Saint Laurent, ça a toujours du clash, mais c'est très discret, hein. Peut-être pour ça que vous ne le verrez pas. Là je suis à la lumière, mais ça donne un effet bonne mine, mais comme vous dire très, je ne sais pas si on vous voit, on verra quoi que ce soit. Oui, j'ai les yeux fatigués, excusez-moi, je fais une allergie au pollen en ce moment, c'est une horreur, j'ai les yeux qui me font mal.
Ben, si on verra. Ça avait plus d'allure à la lumière du jour. Et après, j'ai pris un mascara volume effet fossile. Ça me manque, hein, j'en ai marre d'avoir des cils pourris. Donc, je suis revenue à mon premier amour. Mascara effet fossile, loose sur loose, mascara. Et l'étiquette de ceux qui me cachent le nom. Mascara effet fossile, shocking. Volume immédiat à outrance. Il n'y en a peut-être pas. Voilà. Et c'est la teinte noir cendré. Vu que j'ai les yeux verts gris un peu. Je sais pas. Ah. Zoom petit. Voilà. Là, je vais pas l'ouvrir. Il était à 29,90€. Et j'ai 30% dessus, j'ai une ristourne de 8,97€. Donc je l'ai payé 20€ quoi. Là, je vais vous montrer sur YouTube. Hein. Comme ça. Voilà. Ça c'est un que j'adore. Et c'est marqué dessus. Shocking. Voilà. J'ai pris que ces deux petits produits que ça commence à faire. Donc ça valait 50,96€ en tout et j'ai eu 21,84€ de réduction. Et avec ça, je vais voir le bruit. J'ai eu trois petits échantillons. Lacoste Live, eau de toilette pour homme. J'ai eu soin de la roseraie, que je vous ai déjà parlé. C'est chez Mariano qu'on trouverait ses soins. Il y avait des coffrets d'ailleurs, je crois. Voilà. J'ai toujours pas fini la crème parce qu'elle est trop hydratante pour la saison. Et j'ai eu un échantillon de parfum Flower in the Air, eau de toilette de Kenzo. Voilà et voilà. Allez, je vous fais un gros bisou. Et puis à bientôt. Et le fait, le phare, ils sont super bons. Il y a une odeur, ben, comme tous les produits généralement en parfumerie. J'avais failli dire pharmacie. Ils sentent le parfum. Ils sont très très bons. En tout cas, j'ai bien aimé son effet naturel. Il est resté celui-là et un lilas. Le lilas sur moi, je trouvais que ça faisait pas terrible. Voilà, à essayer. En plus, il n'est pas difficile à passer, ce qui me va très bien. Allez, bisous, à bientôt.